Thank you.
Thank you.
Les options de glace statue. Oui, la glace statue, le sur l'arrière. Attendez, je vais mettre le prix pour ne pas me tromper. Parce que c'est, c'est le modèle 1220, ça c'est chez vous. Il n'y a pas de conduite là maintenant. Alors, il y a ou pas oui, le tout ça. Alors, ici le poncho. Ah bah parce qu'il faut exprès pour une tour, il tombe à chaque fois. Ouais, 40, 50, 60, les vitesses sont marquées comme ça. C'est juste ouais, ouais, ouais. Moi aussi, c'est agacé, je sais pas. Alors tout est là, la glace. Oh. Est-ce que c'est ça, c'est le frein, tu crois? Oui, c'est le frein. Oh, c'est sensationnel ça. C'est un peu juste comme moteur, bon. Oui, mais pour moi, oui, mais enfin, là, si vous voulez, j'ai une jambe qui appuie sur le bord du siège, je n'appuie pas au fond du siège. J'ai Peugeot, il lorsque dans la petite nouvelle. Je ne lorsque là, c'est dans la 104, dans les autres, sans problème. Là, il peut la conduire tout de suite sans changement. On est bien assis toujours. Mais c'est ça la fin. Mais moi, je fais beaucoup. On a des taxis qui gagnent des voitures 2 ans. Mais les gars, 150 000 km, ils ont eu quand même plusieurs pannes. Les premières, oui, mais pas celles qui sortent depuis un an. On n'a plus du tout dans les prix de bricolage. Pour moi, c'est vrai. Parce on a que même moi, eu des accoudoirs qui lâchaient, des poignées de porte qui ne fermaient pas. Bon, on a changé tout ça. Les accoudoirs sont vissés sur les portes. Les poignées de porte ont changé. Ah non, on est vraiment au point, hein, maintenant, on n'a plus grand-chose. Oui. Plus rien. Oui. Depuis 6 mois, même sur les 1015, on n'a plus rien. Il y avait quand même des ennuis, on m'avait dit, sérieux, de boîte de vitesse, je crois. Hein. Ah oui, il n'y a même pas eu que ça. Hein. On l'avoue, même, il n'y a pas eu que ça. Carburateur. Sur le plan électrique, tout ça, non, ah non. On m'avait dit aussi sur le plan. Non. Il y a eu des histoires de cardan aussi, à une époque. Non cardan, et puis les plaquettes de frein, je ne sais pas. Bon. Enfin oui. Ça, de, je vous dis, depuis un an, on a Citroën, justement, enfin, je ne veux pas contrarier Peugeot, mais c'est la voiture qui tient le plus la cote. Non, non, je suis fort étonné quand vous avez dit ça. Remarquez que non, pas fort étonné, puisque c'est Peugeot qui vous le dit, c'est la concurrence. Hein. Enfin, ils ont extrêmement peur de cette voiture. Hein. Alors, naturellement, tous les coups sont permis. C'est un peu comme l'autre, un gosse. Hein. Ah, c'est léger. Hein. Un gosse qui se pendouille après, un peu, n'importe, il est... Fusil. C'est un peu comme l'autre. Tout le chauffage. Je ne vois pas pourquoi qu'ils ont affiché une pente parce qu'ils ont posé quelque chose. Et oui. La marche, ça ne fout pas, on a dans les pieds. Ils cherchent toujours des trucs nouveaux, puis total, le pratique des fois. Ils l'oublient, le pratique. Ils essayent de donner un certain aspect, d'accord, mais. Il voit pas et au point de vue, par exemple, pour les sièges couchettes, il n'y a pas moyen d'avoir par exemple, le siège, parce que là, il y a rond, mais vous avez aussi un système. Avec une manette, là. Voilà, c'est ça. Si on l'a supprimé, c'est une question de sécurité, madame. Ah rendez-vous bon compte que la plupart du temps, les automobilistes avaient son siège ici, et puis d'un seul coup, ils levaient le siège, et puis paf, ils partaient en arrière. Résultat de l'opération, oui. Est... Oui. Non, vous mettez deux personnes et demie, disons. Trois personnes, si vous avez des personnes. J'aurais même testé les parailleux, si c'est très bien. Un bon d'essai, on vous accompagne au centre d'essai, qui est tout de suite à la sortie de Michelin, là. Ah ouais. Comment ça le coche? Ça va, je viens d'arriver, je voudrais jeter un petit coup d'œil, un peu de droite et de gauche. Eh bien, je vous fais votre bon d'essai, je vous le donne et vous y allez vous-même. Bon. Hein? Vous me direz où. Vous voulez essayer la K70-75 chevaux, la plus puissante ou la moins puissante? Oh, la moins puissante. Il n'y a que la puissance qui fait le... Quelle est la différence de prix? Non, c'est tout ce que je vous ai dit, la différence de prix. Plus. L'autre, la moins puissante, elle a donc le moteur moins puissant. Elle n'a pas de parayode, elle n'a pas de moquette, elle n'a pas de siège couchette,
Elle n'a pas de contour. Il reste quelque chose, hein. Oui, quand même. Ah, elle roule bien. Non, elle est une bonne. Non, elle est bien. Celle-là, c'est une voiture beaucoup plus puissante. Si vous tractez une caravane, vous prendrez celle-là, vous ne prendrez pas l'autre. Mais si vous avez une... Non, non, pas de caravane. Oui, alors. Je vais à l'hôtel. Voilà. Voilà. Ah, peut-être qu'elle sera plus d'accord. Oui. Maintenant. C'est votre puissant. Parce que vraiment, elle était désolée. Bon, oui, oui. Elle dit, je tombe sur quelque chose qui ne m'illumine oui, pas. C'est leur fameux système, où c'est qu'il se trouverait, il est là-bas. Il est à l'intérieur, il est assis par là-bas. Une sonorisation. La première est dure, hein, c'est incroyable. Oui, oh, ouais, mais il y a surtout une certaine chose, c'est qu'il se dérègle très facilement. Ah ben d'accord, mais enfin, au point de vue vitesse pure, elle est plus rapide que la V2 de moteur. Il a donné 457, mais alors qu'avant, elle était plus de 160. Oh, la option spéciale, elle marche bien, il n'y a pas à chier. Ah d'accord. Oh, c'est un peu rapide à cette chose. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ce, il dirait que... Je vous dis que ça s'attend du commissariat général aux anneaux. C'est difficile de voir la ligne de la voiture. Après, je ne peux pas le faire. T'as ça à regarder. Abandonné. Pour aller dans les chemins. Voilà. Ouais. On a le choix de près, pas tout. Enfin, la blanche avec à l'intérieur rouge, celle qui est exposée là. Rouge avec la corail. 3327 km avec la caravane. Pour une 6 chevaux. J'ai fait toute la vallée du Soleil, le Lot. Combien vous faites de réduction pour Peugeot, sur la voiture Peugeot? Parce que vous êtes associé avec Renault et je sais que nous on a la réduction sur Renault, mais je sais qu'on m'a dit qu'on avait la réduction sur Peugeot. En la prenant sur le monde, non. Sur le monde, non. Parce qu'il faut que je la prenne sur le monde, non. Pour que je puisse savoir. Il faut que le roule 6 mois sur le monde, non. Avec la carrière dite, non. Et que, combien vous faites de réduction? Les appuis peut-être qu'ils sont livrés d'origine, ça alors? Enfin, qu'ils sont. Ils sont pas d'origine, ils sont en option. Vous livrez avec les appuis têtes. Nous livrons les appuis-têtes sont en option. Oui. Nous ne livrons pas systématiquement avec les appuis-têtes. Personnellement, hein. Je partirai avec elle en vacances. Non, j'ai déjà essayé pas mal, celle-là je ne la connais pas encore, on va l'essayer aussi. Est-ce que vous lui trouvez a priori comme qualité? Performance, c'est tout. Elle est livrable tout de suite? Non, les négatifs conjoints sont 2 mois et demi. 2 mois et demi? Construit avant tout pour se protéger du milieu qu'il fait vivre. Mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour le Corbusier dans la charte d'Athènes. Le soleil, la verdure et l'espace sont les trois premiers matériaux de l'urbanisme. C'est quelque chose de formidable quand même. On vous donne quelque chose la main à la main, vous culbutez tout. Regardez-moi la fleur comment qu'elle va être là. D'amour. Arnais. Il monte là-dessus, vous suivez tout. Finalement, la différence de transmission est motivée, mais... Attention à tes lunettes. Elle pourrait être plus grande pour tous les enfants. Vous avez recommandé plutôt qu'une Peugeot. Je peux pas vous dire, enfin, on est sur le stand Simca évidemment. Je pense parce que point de vue service après-vente, c'est quand même assez sûr. On vous garantit bien ses main-d'œuvre pour 20 000 km et pendant. Fais attention à ta tête entre le vent. Je pense que. Attention à ton veston. Ils n'ont pas enlevé, moi, le machin chez. Enlevé quoi? Le truc derrière là, parce qu'il semble qu'il y avait. Non mais pour mettre derrière, on peut pas acheter un machin là où j'en ai vu qu'il y avait des creux. Je suis déjà passé 2 fois au radar cette année, alors faut que je m'arrête. Sans aller très vite, hein. Ne croyez pas, ça à 80 dans les agglomérations, ils vous pincent, ça y est. Alors, c'est pas de la vitesse, ça, 80.
Les radars de la police? Oui. Juste dans une ligne droite, dans une grande ligne droite avant une agglomération, quelques petites maisons d'un seul côté de la route, il limite la vitesse de 2 km avant et voilà. Et alors ma femme était prise aux 80 à l'heure. Ils ont fait sauter dans le ballon. Ah oui, 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 ben ça je vais les voir les flics, hein, parce que je connais pas mal de gens pour dire ça, ça marche pas ça. Mais j'en ai une et vraiment je vous dis que je m'en plains pas parce que question même du point de vue consommation d'ailleurs. Oui, oui, elle est sans qu'elle marche bien hein, sur la route. Ben, très bien, je fais quand même des pointes de 140 arrêts. Ah bah oui, absolument. Disons, ça va chercher une 135 peut-être, enfin c'est appréciable. Hein. Mmh. Ouais. C'est une très bonne petite voiture. Moi je pense qu'à l'époque, la mienne, je vais payer 700 000. Et maintenant 998, mais elle est 10 fois mieux. Il n'y a pas de... Quand même, c'est pas d'un million. Hein. Avec l'accélérateur, déjà. L'accélérateur, avant, vous appuyez comme un fou. Et bon, maintenant, j'appuie, il revient tout seul. Le débrayage, c'est formidable. Le frein est un peu coriace, par contre. Mais ça... Vous savez, c'est les voitures d'exposition. Hein. Ouais. Bon, je crois bien que je vais opter là-dessus. Hein. Oh, puis quand vous roulez là-dedans, vous avez vu la place qui est dans le coffre. C'est énorme. Ce qui est bien, c'est que les gens qui sont à l'arrière, si vous aimez mieux, sont abaissés par rapport à vous. Donc ils ne gênent pratiquement pas la visibilité de derrière. C'est comme dans un cinéma. En gros, c'est le ventilateur d'air froid qui était sur option. Avec la glace géante arrière, ils ont mis le ventilateur d'air froid dans la série et ils ont diminué le prix de la glace arrière. Parce qu'il y avait les deux avant. Quand on prenait la glace géante arrière, on avait le ventilateur en plus. Ouais. Parce que maintenant, le ventilateur est compris dans la voiture de série et il n'y a que la glace géante qui vaut 2 000. Oui, d'accord, oui. La lunette, elle vaut 12 000 maintenant. La batterie métallisée vaut 15 600 et les glaces teintées vaut 28 000. Ils ont changé le lubrifiant, changé les pièles. Changer les pistons, ils ont redimensionné les culasses, ils ont refroidi plus les culasses. Les voitures étrangères sont plus pressionnées. Oui, mais elles ne sont pas confortables non plus. Hein. C'est, alors là, hein, si vous voulez un tape-cul, vous prenez une voiture étrangère aussi. Hein. C'est pareil. Ça, c'est alors là, hein. De ce côté-là, je crois que vous êtes servi. Hein. C'est-à-dire que vous voulez, mettons, à 120, vous êtes en 3e. Vous voulez doubler, voilà, vous voulez doubler un camion, un coup d'accélérateur. Bien proposé. Oui, maintenant vous avez un siège neuf. Mais si vous pouvez tomber dans une petite ville, visitez l'exposition l'automobile et l'environnement. J'ai une action de la Camille, je crois que ça doit coûter 70 francs. Merci. C'est pas très grave. Qui dit routier dit confortable. Oui. Performance. Constructeur concernant les pièces et la manœuvre. Vous les chauffez les pieds, vous ramenez un peu votre lunette, vous chauffez les pieds. Mais ça sort de... Vous voulez de l'air frais, vous ouvrez ces boutons-là. Un point de vue prix. Vous avez l'air frais. Sans aucun supplément. Bon, vous voulez de l'air chaud. Là, je vous donne la garde de prix. La voiture rendue, c'est toute place comprise, voilà ce qu'elle vous coûte. Vous comprenez ? Et alors, vous avez le souci. Première, oh, ça vaut le coup. Troisième, vous verrez, quatrième, il n'y a pratiquement pas de débattement. Vous voyez ? Marche arrière. Julien, maintenant, clé en main, ça fait 9600. Clé en main. En cas de rupture d'un circuit de frein, en nous voyant, vous avez appel de part au milieu. Il paraît de aussi toute la carrosserie, paraît-il, est électro-zinqué. Oui, il est électro-zinqué. Ah bon, le sou. La voiture est pas par C'est déjà un bon point de passer son temps à la regarder, madame. C'est-à-dire que la prochaine fois, ça vous tentera de dire « Tiens, je vais aller voir chez Ford, je suis content. » Ce que j'ai fait, j'ai pris un peluche. Je l'ai enlevé. Après, le prix est le même. Alors, aucun ne prend des voitures neuves. De toute façon, je vais presque. Je vais certainement pas acheter une voiture neuve. Alors, en fait. Je vais dessus.
C'est, disons, si vous voulez, pour faire les compagnies, je vous en même temps que le bistec quotidien. Bah oui, c'est le pas dans le patron. Ça, c'est l'horaire Thermidor qu'on mange une fois par an. Toute la collection 5 francs. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'avez pas révisé, et je l'ai dit au service. Général Vol. Elle est beaucoup trop. Mais non. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est pas une voiture à ce moment-là. Non, alors bon, c'est pour ça. Oui, mais avec la différence, vous avez une voiture. Vous avez un peu fusillé le radiateur à Tarragona. Et une sur le Tarragona. Pourquoi vous avez un radiateur? Deux radiateurs dans le mois, les gars, ils sont distraits. Il y a pas service à prévention. Que dalle, même pas des vis platinées. Impeccable.
Thank you.
Thank you.